Salut mes élèves, comment allez-vous? Nous allons continuer le chapitre 6, cercle. Ouvrez vos livres à la page 70. Commencez par l'exercice 3. Dans la figure ci-contre, M est un point donné à l'extérieur du cercle C. Regardez, c'est le point M qui est à l'extérieur du cercle C. Partie 1. Trace une droite D qui passe par M et qui coupe le cercle C en A et B. Nous allons tracer une droite D qui passe par le point M, c'est-à-dire comme ça ou bien comme ça, mais qui coupe le cercle C en deux points. Du coup, la droite بيقطع السيركل سي باس بار ام اي كوب لو سيركل سي يعني بيقطع السيركل سي ان دو بوان ا اي بي دونك بريني لا ريغل غرادويي اي لو كريون مين بوي تراسي اون دروات فوالا سي لا دروات دي كي كوب لو سيركل سي ان ا اي بي. Vous pouvez encore tracer la droite D comme ça, ou bien comme ça, comme vous voulez. Partie 2. Trace en A et B les tangentes au cercle C. Nous allons tracer la tangente en A au cercle C et la tangente en B au cercle C. Vous savez que la tangente en un point au cercle, c'est la perpendiculaire en ce point au rayon de ce cercle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la tangente en A au cercle C, c'est la perpendiculaire en A au rayon OA. Donc prenez l'équerre et mettez l'un des deux côtés de l'angle droit sur le rayon OA. Et glissez cet équerre jusqu'à arriver au point A. Puis tracez un petit segment. Et avec la règle, prolongez ce segment. Voilà, c'est la perpendiculaire en A, A, O, A, et qui est tangente en A au cercle C. Maintenant, la tangente en B au cercle C. C'est la perpendiculaire en B au rayon OB. Donc, de même façon, prenez l'équerre et mettez l'un des deux côtés de l'angle droit sur le rayon OB. Puis glissez cet équerre jusqu'à arriver au point B. Et tracez un petit segment. Ensuite, prolongez ce segment. Voilà, c'est la perpendiculaire en B au rayon OB et qui est la tangente en B au cercle C. Merci pour votre attention. Au revoir.